Il va vers Alger. Ça, c'est dans tes rêves. Donc, au revoir. Les années de nostalgie trop noire. Il faut avoir une nostalgie, une belle nostalgie, une bonne nostalgie. Qu'est-ce que c'est la nostalgie pour toi? La nostalgie, c'est le mot qui traduit le manque. Enfin, ce qu'on peut éprouver, enfin, les personnes qui nous manquent, le pays qui nous manque, c'est un mot qu'on a trouvé là, et puis il est facile à utiliser. C'est en grec, ça veut dire retour. Retour? Ben oui, on fait des mini-retours par la pensée. Mais la pensée, elle peut aller là où elle veut, la pensée. Alors, tu as une idée de ce que j'ai envie de faire, Nawel? Moi, je pense que tu veux mettre fin à cette période d'exil. En tout cas, toi, tu veux mettre terme à ce... En fait, tu survivais, quoi. Avec maman, c'était survivre, c'était tenir, c'était vivoter, c'était... Tu te sentais pas du tout impliqué dans la vie ici en France. Tu étais physiquement ici, dans la tête, beaucoup là-bas. Et donc, il faut arriver à se dire, ça y est, on est là et il faut bien vivre le moment. Le jour où vous pourrez rentrer en Algérie, eh ben, vous pourrez rentrer en Algérie. Mais pendant le temps où vous êtes là, vous êtes obligé d'être là, eh ben, essayez de voir les bonnes choses. À Dadjena, à l'ouest d'Alger, selon la presse, 50 à 80 personnes auraient été assassinées la même nuit. La plupart seraient des femmes et des enfants. C'est l'acte barbare le plus meurtrier. J'avais quitté Alger le 30 juin 1993. Famille et amis m'y avaient forcé. La chasse aux artistes et aux intellectuels engagés avait commencé. Les islamistes en assassinent un chaque mardi et ils le revendiquent.